Ce soir également, nous saluons des personnes extraordinaires qui se sont dépassées au cours de la dernière année. Bravo à vous tous qui repartirez les bras chargés d'honneur, de fierté et surtout d'encouragement et de motivation à poursuivre votre engagement. Maintenant, je vous demanderai d'accueillir chaleureusement une de nos mannequins de la soirée. Et ce soir, ma foi, elle est coquette. Elle est surtout la porte-parole de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle en Outaouais. Mesdames, messieurs, accueillez la députée de Hull à l'Assemblée nationale, Madame Maryse Gaudreau. Vous êtes toute en beauté ce soir, Madame Gaudreau. Merci beaucoup, Daniel. Ça fait plaisir. Je suis toute en beauté et je suis accompagnée des gens comme moi qui frappent dans la vie à grands coups d'amour. Alors, les gens en bas, les gens qui sont ici, je pense que cette soirée va justement être sous le signe de l'amour. N'est-ce pas, Daniel? Absolument. Bon, alors, je voudrais saluer au tout début des personnalités que je fréquente dans mon quotidien. Denise Laferrière, conseillère à la ville de Gatineau. Je ne l'ai pas vue, mais on me dit que Richard Nadeau, aussi député à la Chambre des communes, est ici ce soir. Alors, bonsoir, Richard. Je voudrais saluer aussi Joanne Carrière, qui est la présidente de la PICO. Alors, Madame Carrière, chapeau, vous avez une bonne équipe, une belle équipe. Alors oui, évidemment, je suis très heureuse d'être parmi vous pour une deuxième année à titre de porte-parole pour souligner la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Cette année, ma participation en tant que mannequin m'a fait réfléchir au sens du thème « Je te découvre, tu me ressembles ». Depuis mon entrée dans le monde de la politique, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens provenant de tous les milieux, des gens dans des habits bien différents. Cependant, ils se ressemblent tous. Tous militent pour une société juste, solidaire et équitable. Une société où tous et chacun y a sa place. Peu importe l'habit, nous avons un rôle à jouer, car les personnes vivant avec une déficience intellectuelle sont une richesse dont le Québec ne saurait se priver. Vous allez voir défiler sur la scène ce soir des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Vous remarquerez la fierté et la dignité de ces vedettes d'un soir. Lors de la pratique, il n'y avait pas de différence entre eux et moi. Pour certains d'entre eux, tout comme moi, c'est une toute nouvelle expérience. Une expérience positive, un dépassement de soi, une invitation à la collectivité, une intégration réussie, et nous nous ressemblons tous ce soir. L'an dernier, je vous affirmais que la Semaine québécoise pour la déficience intellectuelle était pour moi un symbole de la nécessité de continuer d'ouvrir les portes de notre société et qu'au-delà de l'intégration, la personne présentant une déficience intellectuelle devrait pouvoir profiter pleinement et entièrement de sa participation sociale. En terminant, je suis très fière qu'ici, en Outaouais, différents services visent à développer, encourager et soutenir la participation sociale de toute personne vivant avec un handicap. Différents acteurs, tant du communautaire que dans nos ressources publiques, maintiennent les services essentiels de répit, d'accompagnement, de soutien à la famille et plus encore. Nous pouvons être fiers de l'implication de tous. Nous pouvons être fiers que toutes les personnes qui gravitent autour de l'APICO s'appliquent jour après jour à faire une différence. Grâce à votre dévouement, votre passion, votre encouragement, votre engagement, je sais que nous pourrons ensemble continuer à améliorer la qualité de vie de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, de nos amis, de l'ensemble des personnes présentant une déficience intellectuelle. Alors, je vous remercie de votre attention et surtout, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, Madame Maryse Gaudreau, députée de Hull à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup.